été alerté vers 21h pour feu aux établissements Lostis sur la commune d'Ingrande. Donc le feu intéressait un tas de carcasses de voitures non dépolluées, donc 5000 m3 de carcasses de voitures non dépolluées. À l'heure actuelle, le feu est circonscrit. On a mis en place les moyens nécessaires pour éviter les propagations aux tas de véhicules qui se trouvaient à proximité et aux bâtiments qui se trouvaient à proximité. C'est un feu qui dégage énormément de fumée puisque les véhicules ne sont pas dépollués, donc il y a beaucoup d'hydrocarbures qui brûlent. Donc voilà, il y a une fumée importante qui se voit de très loin. On a 50 sapeurs-pompiers engagés et 15 véhicules. Voilà, on a prévenu le gestionnaire de la route nationale 10 et de la voie ferrée puisqu'on est l'établissement a la particularité de se trouver entre la route nationale 10 et la voie ferrée, donc les deux gestionnaires sont prévenus. La voie ferrée, les trains continuent à circuler, donc il faut absolument qu'on travaille en symbiose avec la SNCF. Pour le moment, il n'y a pas de souci particulier puisqu'il n'y a pas de vent, notamment le panache de fumée ne se dirige pas en direction de la SNCF. L'intervention va être de longue durée puisque l'idée de manœuvre, c'est de prendre toutes les carcasses, de les refroidir et d'aller les déposer dans des cases, dans des endroits vides et nus de tout risque de réinflammation. Ooh.